Franchement, on joue, on s'entraîne tous les jours pour des matchs comme ça. Et voilà, c'est pas pour rien quoi. Des matchs comme ça, c'est vraiment particulier, ça va provoquer des émotions énormes. On fait ce sport-là pour les émotions, hein, de toute façon. Et je crois qu'aujourd'hui, on a été servi. On est à 14 pendant 25 minutes, je crois. Il nous fallait deux essais, donc... Donc voilà, je crois que ça s'est joué dans la tête, comme souvent. Des matchs de ce niveau-là, c'est celui qui lâche en premier. On parle souvent d'endurance mentale, mais là, je crois que c'est vraiment le cas. Et je crois qu'on a été plus fort dans la tête que le scénario. On a été plus fort que l'adversaire. Pas de beaucoup, hein. Il faut rester les pieds sur terre, mais félicitations à tout le monde, parce que vraiment... Il fallait un mental d'acier pour aller la chercher là. On a reçu beaucoup de messages avant le match. Là, je regarde un petit peu, il y en a énormément aussi. Et on va aller chercher le trophée pour eux aussi. Ça a été frustrant dans un premier temps parce qu'on avait le dessus. Et miraculeusement, on avait repris l'avantage sur eux. On les maintenait dans leurs 30 mètres. Et puis... Voilà, un premier temps, on prend ce rouge qui est voilà, bon, peut-être difficile, mais voilà, on arrive à rester dans le match. Et on se donne l'espoir de le gagner en mettant un premier essai. Et après, voilà, c'est une succession de temps de jeu, nos avants qui font un gros boulot. Et tout le monde joue le coup parfaitement pour me décaler le ballon, donc j'ai plus qu'à courir. Donc voilà, je pense que c'est les 13 autres qui font un gros boulot. Mais c'est super parce qu'on n'a rien lâché et on continue d'exister pour aller chercher la victoire du tournoi. De toute manière, on n'avait pas le choix de rien lâcher. Fallait qu'on le gagne. Pardon. Fallait qu'on le gagne à tout prix ce match. Donc, ça aurait pu très bien être dans un scénario inverse et on aurait pu perdre. Mais l'équipe a fait vraiment preuve d'un très gros caractère et puis c'est tout simplement génial et on va maintenant se concentrer sur le prochain match. Il ne faut pas trop s'emballer et commencer à parler de victoire. Déjà, on va commencer à bien récupérer, travailler toute la semaine. Et puis seulement arriver au match, là, j'espère qu'on sera tous excités pour faire le meilleur match possible et gagner à la fin. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sang-froid surtout. Baptiste, ouais, franchement, il a prêté beaucoup de sang-froid et voilà, toute l'équipe, on a relâché, motivé pour la gagne et voilà, ça a payé. Je ne m'attendais pas à rentrer si tôt, donc voilà, on fait avec. C'est les aléas du sport. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, ça me sourit. Voilà, content et fier pour l'équipe. 1, 2, 3